En 1988, dans la Nièvre, des élèves, des parents et trois enseignants de trois établissements de Nevers et de Varennes-Vauzelles avaient conçu et réalisé, dans le cadre d'un projet d'action éducative, une gigantesque exposition, 140 panneaux, autour de la Grèce, présentée au Centre culturel Jean Jaurès de Nevers. J'en ai extrait quelques-uns des textes que j'avais écrits pour cette exposition pendant les vacances de Noël 1987, m'inspirant librement de la très sérieuse revue de préhistoire et d'archéologie. À ces textes étaient associées quelques illustrations, notamment une série de cartes postales humoristiques éditées à Athènes par Soteri Toubi. Mais la présente illustration, le premier allume-cigare fourni par Zeus, et la suivante sont tirées des dessins de Blachon parus dans le Trésor des racines grecques. Sur ce dessin, Blachon, encore lui, évoque un des 12 travaux d'Hercule, en grec Héraclès, que nous retrouverons plus tard. Pour obtenir les pommes d'or des Hespérides, Héraclès s'était adressé au géant Atlas qu'il remplaça momentanément pour soutenir le globe terrestre. Mais avant de vous lire les textes annoncés liés à l'histoire de la Grèce, d'abord, et à sa mythologie, ensuite, je vais vous présenter certaines illustrations utilisées par d'autres que moi dans l'expo. Je me contenterai alors de vous rappeler, en guise de commentaire, un condensé de ce que vous savez peut-être ou que vous pouvez trouver dans le Petit Robert, volume 2 des noms propres. Le Minotaure, comme vous le savez sans doute, était un monstre fabuleux au corps d'homme et à la tête de taureau, fruit des amours zoophiliques de Pasiphae, femme de Minos, le roi de la Crète. Minos fit enfermer le monstre dans un labyrinthe construit par le savant Dédale, labyrinthe d'où l'on ne pouvait s'échapper. Avec cette maquette, conçue à partir de résultats de fouilles archéologiques, nous pouvons constater qu'au-dessus des immenses souterrains du labyrinthe de Dédale s'élevaient de grands bâtiments qui entourait une cour à ciel ouvert. Abeilles et oiseaux pouvaient donc y nicher. Avec la cire des unes et les plumes des autres, Dédale fabriqua des ailes pour son fils Icare et pour lui-même. Tous deux purent donc s'envoler et fuir le labyrinthe. Mais, trop ambitieux, Icare voulut monter trop haut dans le ciel et, ayant perdu ses ailes, il se noya. Cette légende de la chute d'Icare a été réactualisé en 2011 par le sculpteur franco-polonais Igor Mitoraj. Sa gigantesque statue en bronze, qui semble sortie de quelques fouilles sous-marines, est exposée en Sicile devant le temple de la Concorde à Agrigente. La Sicile, en effet, dès le 8e siècle avant notre ère, avait été colonisée par les Grecs et, comme le sud de l'Italie, elle fit partie de ce qu'on appelait la Grande Grèce. La civilisation crétoise, dite minoenne, du 15e au 12e siècle avant notre ère, était extrêmement raffinée, comme en témoignent certaines fresques très colorées, recomposées par l'archéologue Evans dans le palais de Gnossos où se trouvait le labyrinthe. Une légende, symbole de la domination crétoise de cette époque sur les autres Grecs de la péninsule, exigeait que tous les 9 ans, Athènes fournissent en pâture au Minotaure 7 jeunes gens et 7 jeunes filles. Thésée, fils d'Égée, alors roi d'Athènes, voulut faire partir d'un convoi. Après avoir séduit Ariane, une des filles de Minos, il entra dans le labyrinthe, tua le Minotaure et, grâce au fil d'Ariane, il put sortir du labyrinthe et regagner Athènes. Zeus était le dieu suprême du panthéon grec, donc de tous les dieux grecs. En tant que dieu du ciel, il est souvent symbolisé par un aigle. Né sur le mont Ida, point culminant de la Crète, Zeus faisait aussi régner sur la terre l'ordre et la justice grâce à son attribut principal, la foudre, qui ne va pas sans tonnerre. De son palais sur le mont Olympe, qui culmine à près de 3000 mètres au nord de la Grèce, Zeus descendit souvent pour aller séduire et féconder de très nombreuses mortelles. Sur cette nouvelle présentation de Zeus,
Vous avez écrit en caractère grec majuscule, à gauche Zeus et à droite Ganymède. Prince légendaire de Troie, Ganymède était un adolescent fameux pour sa beauté, beauté à laquelle Zeus ne fut pas insensible. Se changeant en aigle, Zeus vint enlever Ganymède et l'emmena sur l'Olympe où, devenu immortel comme les autres dieux, Ganymède fut les chansons de Zeus chargé de lui servir à boire le fameux nectar. Les Romains baptisèrent l'équivalent de Zeus Jupiter, prononcé en latin Jupiter, ce qui signifie père, Peter, des dieux Jup. Sœur de Zeus, Déméter, en grec Dimitra, est la déesse grecque de la terre cultivée, donc de l'agriculture en général. Elle apporte entre autres aux mortels le blé, symbole de civilisation, d'où l'attribution de la faucille que vous voyez au sol près de son pied gauche. Dans le terme français de céréales, on retrouve Cérès, l'équivalent romain de Déméter, avec sa caractéristique symbolique, le blé. Apollon est un des multiples enfants de Zeus. Appelé aussi Phébus, en grec Phoibos, qui signifie le brillant, le lumineux, Apollon est le dieu grec de la lumière. C'est lui qui égaye les festins des dieux de l'Olympe avec les mélodies incomparables qu'il joue sur sa lyre. Incarnation de l'idéal grec de beauté, ce qui ne sautait pas aux yeux dans l'image précédente, et le nom d'Apollon ayant été adopté tel quel par les Romains, Apollon est devenu synonyme de beauté masculine qui a inspiré des artistes de toutes les époques. Comme il était le plus radieux des immortels sur l'Olympe, il fut consacré comme le dieu du jour, mais il n'était pas le soleil lui-même, en grec Hélios, il était simplement le conducteur du char d'Hélios. Sœur jumelle d'Apollon, Artémis est à l'opposé la déesse grecque de la nuit, symbolisée par la lune et donc honorée tous les lundis, Lunedi, Lunes et autres mondés. Vierge, déesse de la chasse, on la représente en général munie de son arc et de ses flèches, hantant la nuit les bois à la poursuite des fauves. Le temple d'Éphèse, dédié à Artémis, sur la côte ouest de l'Asie, que l'on appelait l'Asie mineure, ce temple fut une des sept merveilles du monde, mais il disparut dans un incendie criminel. La déesse Diane récupéra dans le monde romain les caractéristiques d'Artémis, souvent accompagnée d'une biche. Sortie toute armée du crâne de son père Zeus, Athéna est la déesse de la raison, conseillère des dieux et des mortels. Déesse de l'intelligence, elle préside la littérature et les arts, d'où l'attribution de la chouette, perchée ici au sommet du globe terrestre. En effet, de même que la chouette transperce les ténèbres de la nuit, de même l'intelligence pénètre à travers l'obscurité des choses. Vierge par excellence, en grec Parthénos, son temple le plus célèbre, le Parthénon, domine l'acropole d'Athènes. Et si cette capitale de l'Attique rappelle le nom d'Athéna, c'est en souvenir de l'olivier que la déesse offrit à ses habitants lors de sa fondation. Souvenir légendaire qui disparaît totalement dans Minerve, le nom romain de cette déesse. Autre fils de Zeus, Hermès était le messager des dieux de l'Olympe et leur intermédiaire avec les mortels. Hermès aide les dieux et les hommes dans toutes leurs entreprises, honnêtes ou frauduleuses, et comme il doit souvent se déplacer, il a des ailes au talon et sur son chapeau, le pétase à fond plat à l'usage des voyageurs. De même, il a toujours dans les mains un caducée, ce bâton entouré de deux serpents, symbole de paix, repris globalement par tous les représentants du corps médical. Avec le nom de son équivalent romain, Mercure, honoré le mercredi et à l'origine des mercuriales, on perçoit encore mieux la place d'Hermès dans le commerce. Sorti tout droit de la cuisse de Jupiter Zeus, son père, Dionysos était le dieu grec de la vigne et du vin et du délire extatique, comme le suggère Libère, son autre nom. Il était aussi appelé Bacchos, qui devint Bacchus en latin, d'où le nom des bacchanales, cérémonies pleines d'orgies et de crimes.
et le nom de Bacchante, les femmes de son cortège délirant, échevelées et vêtues de robes légères et transparentes. Dionysos, dieu de la fête, souvent couronné de lierre ou de pampres de la vigne, est ici à l'honneur au pied de l'acropole, dans le quartier hyper touristiqué de Plaka. L'artiste lui a attribué une taberna, donc une taverne, en bas à gauche. Et comble d'ironie, il a placé juste en face la taverne de Socrate, symbole suprême de sagesse, mais qui semble avoir déjà absorbé la mortelle ciguë. Dans le cortège délirant de Dionysos se trouvait également le dieu Pan, divinité de la fécondité, avec des pieds et une queue de bouc, la face barbue surmontée de cornes. Il protège et féconde les troupeaux, préside les danses des nymphes en jouant de la sirens, la fameuse flûte à sept tuyaux qu'il avait inventée. De même que son apparition sur l'Olympe avait déclenché le rire de tous les dieux, Pan signifie en grec tout, de même, ces apparitions inattendues ailleurs peuvent inspirer une énorme frayeur, la panique. Les satyres, avec un i forcément grec, faisaient eux aussi partie du cortège scandaleux de Dionysos. Sur cette statuette en bronze du 6e siècle avant Jésus-Christ, présentée au musée archéologique d'Athènes, vous remarquez que comme le dieu Pan, un satyre a le haut du corps d'un homme barbu et cornu et le bas d'un bouc. Lié comme Pan à la fécondité, son sexe en érection a de quoi effaroucher toutes les nymphes et autres nymphettes. Peuple sauvage d'aspect monstrueux, des chevaux à torse et à tête d'homme, les centaures habitaient, selon la légende, la Thessalie au nord de la Grèce. Enfant supposé d'Héra, la sœur et épouse de Zeus, que nous reverrons bientôt, les centaures étaient redoutables pour leur brutalité à de rares exceptions près, comme celle du centaure Chiron, qui fut un des précepteurs légendaires d'Alexandre le Grand, dont je vous reparlerai également plus loin. Avec Diogène le Cynique, philosophe grec qui vécut réellement au 4e siècle avant Jésus-Christ, il fut un contemporain du philosophe Platon, nous quittons la légende pour entrer dans l'histoire avec un grand H. Mais on raconte à son sujet de petites histoires qui montrent sa recherche constante d'une vie sobre et naturelle, et par suite son esprit caustique, son mépris des honneurs, des richesses et de toutes les conventions sociales, d'où son surnom de cynique, le terme cynique étant dérivé du nom qui signifie en grec chien. Pieds nus et enveloppé de son unique manteau, il vivait, non pas dans un tonneau, inexistant dans la Grèce du 4e siècle avant Jésus-Christ, mais dans une de ces immenses jarres qui servaient dans l'Antiquité au stockage du vin, de l'huile et autres produits agricoles. Voici deux des petites histoires liées à Diogène. Alexandre le Grand, qui, de passage à Corinthe, où Diogène vint mourir en 327 avant Jésus-Christ, donc Alexandre aurait proposé de donner à Diogène ce qu'il désirait. Et Diogène lui aurait répondu « Ôte-toi de mon soleil ». On raconte aussi que on le trouva un jour à midi se promenant dans les rues d'Athènes avec une lanterne à la main et disant à ceux qui l'interrogeaient « Je cherche un homme ». Dans ma deuxième partie, je vais vous proposer maintenant les illustrations et les textes, volontiers humoristiques, relatifs à quelques grands hommes ou événements de l'histoire grecque. Lorsque j'ai écrit les textes que vous allez entendre, l'Iran était dirigé par l'imam Khomeini et la guerre faisait rage entre l'Iran et l'Irak, et l'Union soviétique n'avait pas encore volé en éclats. Au départ, j'avais pensé intercaler un R entre le E et le D de Médic. Mais j'ai finalement renoncé, eu égard au jeune âge de ceux qui viendraient voir l'exposition d'où sont tirés ce titre et les textes et illustrations qui suivent.
Sous les ordres du général athénien Miltiade, les Athéniens et les Platéens repoussent à Marathon, en 490 avant Jésus-Christ, la première offensive perse menée par le roi Darius. Il semble servir de modèle aujourd'hui à l'imam Roméni. Darius était venu punir Athènes de l'aide qu'elle avait apportée aux Grecs d'Asie lorsque lui-même avait voulu les asservir. Un soldat athénien avait parcouru en courant les 42 km qui séparent Marathon d'Athènes pour venir annoncer la nouvelle de cette victoire. Et le nom de cette victoire a connu la notoriété que vous savez. Xerxès, fils et successeur de Darius, revient à l'assaut, le sceau, 10 ans après Marathon. Il tombe pile sur les Spartiates et met un terme à leur résistance, ce fut la défaite des Thermopyles. Puis, il ravage l'Attique et entre dans Athènes qu'il incendie. Mais, grâce à la flotte créée par Thémistocle, les Athéniens remportent la victoire navale de Salamine, 480 avant Jésus-Christ, et repoussent ainsi, une deuxième fois, l'envahisseur Mède. Grâce aux Athéniens, une coalition grecque obtint une troisième victoire sur les Perses, aplatie à Platée, en 479 avant Jésus-Christ. Cette victoire grecque est confirmée sur mer le même jour par le triomphe à Mycale, près de Milet, comme on le voit sur la carte. Après ce tiercé gagné par les Athéniens contre les Perses, Athènes arrivera au sommet de sa gloire, notamment sous Périclès, au milieu du 5e siècle, soit 30 ans après les victoires de Platée et de Mycale. Vous avez beaucoup entendu parler de la fameuse démocratie, le régime d'Athènes, alors à son apogée. Et vous avez souvent entendu dire que cette Athènes-là était notre modèle de démocratie. Permettez-moi d'émettre quelques réserves. Vous savez que démocratie signifie le pouvoir, kratie, exercé par le peuple, démo. Mais quand on sait que sur 400 000 habitants que comptait toute la région, l'Attique, dont Athènes était la capitale, 200 000 étaient des esclaves, 70 000 des métèques, des étrangers résidents, et les femmes n'étaient pas considérées non plus comme des citoyennes à part entière. Vous me direz, en France, il faudra attendre 1945. Il restait donc peu de citoyens athéniens pour constituer le fameux démos, le peuple, dont les lois étaient préparées par un conseil de 500 citoyens appelé la boulée, comparable à notre Sénat. De ce fait, dans un panneau de l'expo cité au début du diaporama, j'avais résumé cette situation par la formule suivante. Le boulot pour les uns, la boulée pour les autres. On se souviendra que la phalange était un bataillon militaire de 8000 hommes par carré de 16 files en profondeur, les 5 premiers pointant leurs pics en avant, les 11 autres appuyant les leurs sur les épaules des hommes placés devant eux. Grâce donc à ces fameuses phalanges, le roi grec Philippe II de Macédoine, après s'être imposé aux cités grecques du Nord et de la mer Égée, n'eut guère plus de peine pour imposer sa loi aux grandes cités du Sud, Thèbes et Athènes, épuisées par leur meurtrière guerre civile et civile du Péloponnèse. Il vainquit leur coalition en 338 à Chéronée, qui sera considérée par certains, sinon comme la première pierre, du moins le premier Chéron de l'unité hellénique. En somme, en attendant le ciment romain, ce serait déjà le ciment grec. En 337,
Philippe réunit en effet à Corinthe tous les États grecs, Sparte exceptée, et il crée la Ligue de Corinthe. Cette ligue, sous la présidence de Philippe reconnue comme hégémone, c'est-à-dire chef et guide, avait pour objectif avoué d'être la digue dont la paix générale en Grèce serait garantie, dont l'ennemi perse aurait à se méfier. Jaloux de sa rivale Cléopâtre, encore une dont le nez, s'il eût été plus court, eût changé la face du monde, Olympias, une des femmes de Philippe, princesse venue d'Épire, le pire n'était-il pas à craindre, et mère d'Alexandre, l'héritier légitime promis au trône, arrêta Philippe dans ses projets d'union. Elle le fit assassiner dans l'ancienne capitale de la Macédoine, à Égée, tu parles d'une gaieté, alors qu'il sacrifiait aux 12 grands dieux grecs. Merci Zeus. C'était sans doute le moyen le plus rapide et hélas très courant en ces temps et en ces lieux pour que son fils Alexandre se mette à régner. Né en 356 avant Jésus-Christ, le jour même, dit-on, où un char de son père Philippe gagnait aux Jeux d'Olympie, la plus prestigieuse des victoires grecques, Alexandre était, peut-être, le fils de son père, Philippe II, mais à coup sûr, de sa mère, Olympias. Cette princesse d'Épire, qui se prétendait descendre de l'homérique roi Achille, prétendit également, Olympie, devoir à Zeus la naissance d'Alexandre. C'était déjà préparer au divin enfant. Il vivra 33 ans, comme l'autre, un avenir modeste. Et en somme, le mettre en selle avant qu'il n'ait dompté son célèbre cheval Bucéphale. Alexandre, outre l'éducation légendaire dispensée par le centaure Chiron, reçut l'éducation classique de tous les jeunes Grecs de son temps, sous l'œil vigilant du savant philosophe grec Aristote. Et la lecture des exploits guerriers achéens de l'Iliade eut le temps de nourrir les plus folles ambitions du futur conquérant. Renouvelant en 336, lorsqu'il prend le pouvoir, il a 20 ans, le traité de Corinthe, par lequel toutes les cités grecques, sauf Sparte, nous l'avons vu, reconnaissaient au roi de Macédoine le titre de chef des Grecs pour lutter contre les Perses, Alexandre, sous couvert de représailles, allait substituer au joug perse un joug grec et conquérir le littoral méditerranéen oriental jusqu'en Égypte, où il fonda en 331 Alexandrie, qui ne tarderait pas à voir naître de nombreuses petites sœurs. Pour mieux localiser l'entreprise mégalomaniaque d'Alexandre, j'ai rajouté des repères géographiques modernes, nom de mer ou de pays. Au printemps 330, estimant terminer la guerre de représailles contre l'héréditaire ennemi perse, Alexandre avait libéré de leurs obligations militaires les contingents fournis par la Ligue de Corinthe. Son armée sera donc désormais essentiellement une armée de mercenaires encadrée par ses fidèles partisans. En Memphis, en effet, l'esprit de Zeus avait soufflé, et même soufflé très fort. Alexandre, depuis longtemps persuadé par sa mère qu'il était comme Héraclès ou Dionysos, un, entre guillemets, héros, au sens grec du terme, c'est-à-dire un demi-dieu, né d'une mortelle, elle, et d'un dieu, Zeus, consulte à Memphis l'oracle de son divin papa, Zeus Amon. Les oracles étant hier ce que sont aujourd'hui les sondages politiques, on les interprète comme on veut et on en fait dire ce qu'on veut, Alexandre s'estima investi de cette divine mission, porter la civilisation grecque encore plus loin que ses deux légendaires demi-frères, dont Héraclès et Dionysos. Ce fut le début de folles conquêtes, ponctuées par la naissance de nombreux petits Alexandres et de nombreuses, plus ou moins grandes, Alexandries. Remarquez en haut à droite, Escatée, la plus éloignée, au nord-est de Marakanda, qui est devenue Samarcande, la capitale de l'actuel soviétique Ouzbékistan. Et Alexandre réussit
du moins là où Héraclès avait échoué, prendre la forteresse d'Aronos à l'est de Kaboul. Kaboul qui, soviétique mis à part, est toujours la capitale de l'Afghanistan. Accordons à Alexandre d'avoir voulu, par ses mégalomaniaques conquêtes, unir l'Orient à l'Occident, la civilisation grecque aux civilisations asiatiques, puisqu'aussi bien il naîtra de cette union la prestigieuse civilisation hellénistique ou alexandrine, dont le foyer le plus actif sera l'Alexandrie d'Égypte, sorte de phare méditerranéen. Mais faut-il regretter, avec Jean-François Roussel, à qui nous devons tant pour la rédaction de cette page, que les projets d'impérialisme universel soient ensevelis pour plusieurs siècles? Les Césars, les Hitler, les Napoléons viendront assez tôt pour les ressusciter et suivre les voies VOIES et les voies VOIX de leur trop illustre prédécesseur, Alexandre le Grand, hélas. La guerre de Troie en Asie occidentale est une réalité historique du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, comme l'ont prouvé les remarquables découvertes archéologiques de l'Allemand Hans Schliemann dans le dernier quart de notre XXe siècle. Située dans une région très fertile, au carrefour des routes commerciales reliant l'Europe et l'Asie et la mer Méditerranée à la mer Noire par le détroit de Dardanelle, la ville de Troie avait de quoi séduire des envahisseurs autrement qu'avec les charmes de la belle Hélène. Mais la légende s'est emparée de cette réalité historique et l'origine s'en trouve dans deux récits grecs fondamentaux, l'Iliade et l'Odyssée, généralement, mais à tort, attribués au poète grec aveugle Homère. Voici quelques précisions sur cette légende de la guerre de Troie selon les poèmes homériques. À son origine, il y eut l'enlèvement d'Hélène, épouse du roi de Sparte Ménélas, par le prince troyen Paris, aidé par Aphrodite, qu'il avait préféré à Héra et à Athéna en lui décernant la pomme d'or. Les Achéens, pour laver l'outrage, rassemblés d'abord à Aulis, débarquèrent en Troade et assiégèrent la cité de Priam. Les plus célèbres des chefs grecs, sous le commandement d'Agamemnon, roi de Mycène, étaient Achille, Ménélas, les deux Ajax, Ulysse et Patrocle. Au bout d'un siège de 10 ans, les Grecs s'emparèrent de la ville grâce au stratagème du cheval de Troie, gigantesque construction en bois cachant des guerriers qui, introduits dans l'enceinte de Troie, en ouvrirent les portes à leurs compagnons d'armes. Le drame fut consommé par l'incendie de la ville, le massacre des hommes et la réduction des femmes à l'esclavage. Par les descendants d'Aînée, fils d'Anchise, qui se réfugia en Italie, le cycle troyen rejoint la tradition des origines troyennes des Romains. Bien avant les naturalistes, des archéologues se sont penchés sur la pomme d'Adam, qui était en fait celle d'Ève, à cause d'un serpent qui voulait faire le malin. Après l'avoir examinée, ils ont conclu qu'elle était de la même famille de la discorde, que celle de Paris et d'Aphrodite, mais qu'en aucun cas elle ne saurait être la même, car le congélateur n'était pas encore suffisamment répandu à l'époque de la guerre de Troie. Signé Anne Onim. Ce vase, du 5e siècle avant notre ère, représente Ajax et Ulysse, en train de se disputer les armes d'Achille qui apparaissent en bas, au milieu de la scène. Entre eux s'interpose Agamemnon. On apprend une source que l'on voudrait bien mal informer que les livraisons d'armes promises à Téhéran et à Bagdad sont arrivées à bon port. Fini les mines minables du Golfe Sombre. Fini les querelles inutiles pour se disputer les armes d'Achille. Tout le monde a été et continuera à être bien servi. La guerre du Golfe, que l'on croyait achevée, pourra donc être efficacement prolongée. Zeus est grand et ses proxénètes admirables. Notre correspondant de Varennes-Vauzelles, après un bref déplacement en tapis, entre guillemets, persan,
ses cédilles. Le canard mal enchaîné, 7, 12, 87. À la manière des futurs contes de fées, les légendes homériques n'ont-elles pas esquissé des archétypes de l'humanité? Hélène, au cou fin, COU, après avoir croqué le fruit défendu avec le beau Paris, est finalement revenue sans doute en pleine forme auprès de Ménélas, son légitime mais infortuné mari. Clytemnestre, qui n'avait certes pas digéré le coup COUP, fin, FINT, par lequel son généralissime de mari, Agamemnon, avait sacrifié leur fille aînée, Iphigénie, à la cause grecque, lui fit un coup, COUP, semblable, et le supprima avec la complicité de son amant, Égiste. Pénélope, quoi qu'en dise Brassens, au détour d'une rime accusatrice, après avoir attendu fidèlement pendant 10 ans que la guerre de Troie lui rende son mari, Ulysse, l'attendit encore 10 ans en trompant ses nombreux prétendants par le coup COUP fin FIN de la tapisserie jamais achevée. La première célébration officielle, et donc historique, des Jeux Olympiques date de 776 avant Jésus-Christ, et ce fut le point de départ de la datation dans l'histoire grecque. Tous les 4 ans, le temps d'une Olympiade, les Jeux Olympiques rassemblaient au nord-ouest de la Grèce, à Olympie, au milieu du bois sacré de l'Altis, tous les Grecs lors d'une trêve sacrée pour des épreuves sportives, notamment le pentathlon, saut, disque, javelot, course à pied, lutte, le pugilat, le pancras et les courses de chars où, nous l'avons vu, s'illustra le roi Philippe de Macédoine. Le pancras était une rude épreuve, mélange de lutte et de pugilat. Tous les coups étaient permis, sauf de crever les yeux de l'adversaire, d'où l'étymologie fantaisiste « on peut faire toutes », c'est-à-dire pan, les crasses. Étienne, Stéphane et compagnie viennent du grec Stéphanos, le couronné. Le vainqueur d'une épreuve était couronné d'un rameau d'olivier coupé dans le bois sacré de l'Altis et tenu par des bandelettes blanches. Après ce survol de l'histoire grecque antique, un petit coup d'œil sur la vie moderne. Tandis que les ânes se font rares en Grèce, les âneries routières se multiplient. La Grèce ne produit pas d'automobiles, mais elle en importe assez pour que les gens puissent s'y tuer aussi facilement qu'ailleurs. Ici, le journal La Nation titrait à la une du mardi 21 avril 1987, donc mardi de Pâques. 32 morts. C'était le tragique bilan des fêtes pascales. La déesse automobile mérite bien ça, non? Le sacrifice d'Abraham, à côté, c'est de la rigolade. Et pour terminer cette évocation, mi-sérieuse, mi-fantaisiste, de la Grèce, je vous propose quelques autres grands noms de sa mythologie. Mais, encore une fois, ce sera loin d'être une présentation exhaustive. En général, je ferai précéder mon commentaire fantaisiste par des extraits très sérieux du Petit Robert, volume 2, déjà cité au début du diaporama. Déesse grecque de l'amour et de la fécondité, Aphrodite fut assimilée à la Vénus romaine. Fille de Zeus, après être sortie du creux d'une vague, elle fut portée à Cythère, puis
sur le rivage de Chypre, d'où son surnom de Cypris. Le pouvoir sensuel féminin qu'elle symbolise, notamment avec la liqueur cyprine, est représenté comme une force corruptrice et maléfique. Sa légende est composée d'épisodes divers concernant ses unions, en général avec des dieux. Héphaïstos, son mari, qu'elle a trompé avec Arès, je vais y revenir, avec Hermès, dont elle eut Hermaphrodite. Cette hermaphrodite, qu'on appelle aujourd'hui transgenre, est un bel exemple de ce qui sous-tend toutes ces légendes mythologiques. Sous couvert de légendes, les Grecs ont été, à ma connaissance, les premiers à peindre toute l'humanité avec toutes ses pulsions et dans toute sa complexité, nous offrant parfois un miroir de ce que nous sommes en profondeur. Plus tard, viendront les contes de fées qui prendront le relais de ce subtil et délicate peinture, comme nous le montre la psychanalyse, quand elle reprend et décrypte le mythe d'Édipe, vieux de 25 siècles, ou qu'elle analyse précisément nos contes de fées. Après cette petite digression, à mes yeux indispensable, pour que nous allions au-delà du simple récit mythologique, je reviens aux amours d'Aphrodite. Elle est, nous l'avons vu, à l'origine de la guerre de Troie, puisqu'elle aida Paris à enlever Hélène. Mais elle en assura pourtant la continuité, car de son union avec le mortel Anchise, le berger troyen, elle mit au monde Énée, ancêtre légendaire de Jules César. Elle est donc par excellence la déesse qui favorise l'amour en dehors de toute loi. De ce fait, elle inspira de nombreux artistes, poètes, sculpteurs et peintres, comme on le voit ici. Elle est accompagnée de son fils Eros, source de l'érotisme, et du dieu Pan, toujours d'attaque. À partir de son idylle passionnée avec le bel Adonis et du sérieux article du petit Robert que je viens de vous résumer, voici quelques-unes de mes élucubrations. Le très sérieux bas-relief que vous avez sur l'écran provient d'un autre temple d'Aphrodite. Le coq étant pour les anciens Grecs un symbole érotique, la présence de cet animal sur un bas-relief votif dédié à Aphrodite n'a donc rien d'étonnant. Plus étonnant est l'autre fragment de la lettre adressée au bel Adonis et trouvée à côté de ce bas-relief. Avec mon copain Arès, qui la nuit, en attendant le chant du coq, venait se délasser avec un C ou délasser avec deux S, j'ai eu quelques surprises vite parties. Il en résulta, tu le sais, hélas, mon bel ado, notre fils Eros, que les Gaulois ont jugé érotique, négligeant son frère Antéros, à qui ils attribuent l'invention du bromure, car il donne l'antérite. Voici la suite de la lettre d'Aphrodite à son amant, le bel Adonis.
Et voici le dernier fragment de lettre d'Aphrodite à Adonis. Tu m'as souvent reproché aussi les trois filles que j'ai eues avec Zeus. Mais rassure-toi, cher Ado, ces trois grâces, si honorées aux temps antiques, sont aujourd'hui bien délaissées. Cette pomme que le beau, Paris, m'offrit jadis, car j'étais plus belle que mes copines Héra et Athéna, c'est aux blondes envahisseuses, souvent venues du nord, comme l'ami Strahl, qui l'offre. Que veux-tu? Il faut bien que tourisme se passe. Arès, dieu grec de la guerre, fils de Zeus et d'Héra. D'une taille énorme et d'une voix tonitruante, il était peu aimé des autres dieux à cause de sa cruauté. Seule Aphrodite tomba éperdument amoureuse de lui et trompa Héphaïstos. Il fut identifié à Mars par les Romains. Correspondant en Grèce vient de trouver, après curieuse fouille, la source de ce cri que lance au petit matin tout coq qui se respecte, mais aussi cri que pousse tout bon français patriote lors d'une victoire française, comme si cette victoire était l'équivalent d'un nouveau jour qui se lève. Arès, dieu de la guerre, aimait secrètement la nuit la déesse de l'amour Aphrodite, épouse illégitime du boiteux mais habile dieu des artisans, Héphaïstos. Pour monter la garde, Arès postait Alectryon, son petit ami, chargé de réveiller les amoureux avant qu'il ne se lève le dieu soleil, Hélios. Mais un matin, Alectryon s'était assoupi. Héphaïstos, averti par Hélios, fit alors un beau coup de filet avant d'avertir, par simple coup de fil, les autres dieux de l'Olympe pour qu'ils descendent aussitôt voir le spectacle, ce qu'ils firent immédiatement. Et ils en rient encore. Arès, furieux, transforma en coq Alectryon, qui depuis annonce tous les matins l'arrivée du soleil aux poules qui n'ont pas de réveil. Certains humains ont besoin d'entendre trois fois ce chant du coq pour réaliser ce qu'ils font. C'est ce qui est arrivé à un certain Pierre qui était resté debout et n'avait pas voulu croiser le fer lorsqu'on attaqua son copain Jésus du côté de Jérusalem. Extrait de Ici Athènes, premier jour de la 497e Olympiade, après ce même Jésus. Fils aîné de Zeus et d'Héra, Héphaïstos était l'enfant chéri de sa maman et il le lui rendait bien. Ainsi, le jour où Héra fit une scène à Zeus, lui reprochant d'avoir engendré Héraclès dans le sein d'une mortelle, Héphaïstos prit le parti de sa maman. Zeus, furieux, le jeta du haut de l'Olympe et Héphaïstos, qui avait négligé les cours de parachutisme, chuta malencontreusement en atterrissant et resta définitivement boiteux. Mis plus bas que terre, il y resta pour inventer la métallurgie. En dieu du feu qu'il était, dans les volcans qui lui servirent d'atelier et où il fut aidé par les géants cyclopes. Son parent romain, Vulcain, évoque encore mieux son activité volcanique, très atrophiée dans notre moderne vulcanisation. Alors qu'il venait de surprendre son épouse Aphrodite
avec le guerrier Arès, Héphaïstos prit ses clics, ses claques et son marteau avec une idée en tête. Selon le poète grec Hésiode, qui vécut entre le 8e et le 7e siècle avant notre ère. En effet, dans sa Théogonie, où il explique la création du monde, Hésiode raconte que c'est le dieu Héphaïstos qui, avec de l'argile, créa la première femme, Pandore, en guise de cadeau fait aux hommes par les dieux. Mais elle, du moins, ne fut pas un cadeau. Je ne sais pas pour les autres, à l'exception de l'Ève biblique, qui de son côté fit aux chrétiens l'original cadeau du péché originel. Curieuse comme personne, Pandore fit sauter le couvercle de la jarre où son époux Épiméthée avait enfermé tous les dons, en grec, pan, doron, offert à lui par les dieux. C'est depuis ce temps que l'on fait des cadeaux de mariage. Sortirent aussitôt de la jarre tous les biens et tous les maux pour se répandre sur la terre. Pandore n'eut que le temps de retenir dans cette jarre humaine l'espérance. Alors, ne désespérons pas. Il ne faut jamais désespérer les vies en cours. Fille de Cronos, le dieu du temps, et de Rhea, fille elle-même du ciel et de la terre, Héra est à la fois la sœur et l'épouse de Zeus. Épouse dite modèle, présidente au mariage et aux naissances, Héra s'insurgea sans cesse contre l'adultère. Pour se venger de Paris, qui ne l'avait pas élu Miss Troie, et lui avait préféré la belle Aphrodite, comme aurait pu l'écrire ici Paris, la déesse protectrice d'Argos, de Mycène et de Tirynthe, avait une raison supplémentaire de favoriser les Grecs dans leur croisade en Troade. Il fallait en effet que cette petite gueuse d'Hélène, telle une carmin scythe, revint au bercail royal de son spartiate Ménélas. Mission accomplie, malgré un détour par la phénicienne Sidon suite à une tempête voulue par cette même Héra. Troisième ou sixième, selon le légendaire état civil mythographique, femme de son démon de coureur de mari, qui eut tout de même le temps de lui faire quatre enfants, on connaît surtout les frères ennemis, Héphaïstos et Arès, et toujours à cause de l'adultère aphrodisiaque, Héra passa beaucoup de temps à harceler ses rivales ou leurs enfants qu'elles donnèrent à Zeus, le plus célèbre étant sans nul doute Héraclès. La domination, certaines mauvaises langues diraient l'abomination, de la déesse Héra sur l'Argolide est attestée par l'Héraïon, sanctuaire construit en son honneur à 8 km d'Argos, mais elle rayonna farouchement sur toute l'Argolide. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, un temple lui avait été érigé, mais ce temple ne nous est connu que par le modèle réduit pétri dans la fameuse argile d'Argolide. Au 5e siècle, un autre temple, hélas, réduit lui aussi à l'état de vestige, abritait la statue Chryséléphantine en bois, au couvert d'or, chrysos et d'ivoire éléphantine de la déesse, tenant dans sa main droite la grenade, oh les divins pépins, égare aux explosions, tonnerre de Zeus, et dans sa gauche le sceptre, signe évident qu'elle était associée à la souveraineté sur l'univers de son seigneur et frère et mari Zeus. Furieux de s'être vu ravir par Héra la domination sur Argos et toute l'Argolide, au nord-est du Péloponnèse, Poséidon, sommé par son acariâtre sœur et belle-sœur de regagner son lit humide et frais, décida de la punir. Il assécha toutes les rivières, tous les ruisseaux d'Argolide, qui devint et resta un pays aride, peu riant, malgré ses îlots de végétation, oliviers et agrumes surtout, au milieu des montagnes pelées. Et pourtant, pendant 5 siècles, du 16e au 11e avant Jésus-Christ, l'Argolide allait être le centre de la civilisation grecque, dite mycénienne, comme en témoignent les trésors découverts à Mycène, cette Mycène sur laquelle régnait le roi Agamemnon avant de partir à la tête des Achéens pour la guerre de Troie. Et s'il rit encore, ce cher roi, dans son masque mortuaire, certes précieux,
c'est d'un rire jaune. Aux rivalités des dieux, en effet, pour régner sur l'Argolide, succédèrent celles des humains, et le sang des malheureux, tranché par le fer, a tellement coulé dans la région que le sol, d'argile pure, jaunâtre ou rouge clair, fournit une abondante matière première pour des céramistes réputés hier comme aujourd'hui. En effet, la domination des rats sur l'Argolide s'est également manifestée à Mycène et à Tirynthe, les illustres voisines d'Argos, par d'innombrables statuettes de terre cuite mises à jour par l'archéologue Schliemann et représentant des têtes de vaches. Loin de penser aux vacheries qui firent pourtant la célébrité des rats, les sculpteurs de ces idoles, bien proches de l'Isis égyptienne, nous rappellent simplement que la vache était l'animal favori de la déesse, bien avant qu'on ne lui attribue le pan. Si la vache était le symbole d'une maternelle fécondité, et d'autres statuettes liées à la maternité justifient ce symbole, le pan est déjà, hélas, le symbole de l'épouse, femme, objet. Il vaut mieux admirer ses plumes qu'entendre sa voix. On n'est pas loin du « sois belle et tais-toi ». Qu'est-ce qu'il en a bavé, Héraclès ? Heureusement, c'était un costaud, le fier Alcide, selon son vrai nom de baptême mythologique, petit-fils d'Alcée, qui signifie en grec la force physique. Pour se venger de Zeus, qui avait conçu l'Alcide dans le sein de la thébaine et trop humaine Alcmène, Héra commença par offrir au bébé, en guise de jouet vivant, sans doute, deux énormes serpents. Mais l'Alcide les étouffa dans son berceau. Surprise ensuite de voir le même téter à ses augustes seins le lait de l'immortalité. Quelle immoralité! Elle le repoussa, mais du lait jaillit de ses seins divins. Ah, le câlin manqué! Et se répandit dans le ciel. Il nous donna la voie lactée. Plusieurs siècles plus tard, des pèlerins chrétiens, friands de coquilles, suivront cette divine et aérienne voie pour aller faire composter leur ticket en Espagne par Saint Jacques dit le Majeur. Héra, enfin, qui n'en ratait pas une et rongeait son frein de vengeance inassouvie, sera l'inspiratrice des 12 épreuves, les fameux 12 travaux imposés à l'Alcide par son cousin Eurysthée, le roi de Tirynthe. Ces 12 travaux, plus souvent appelés travaux d'Hercule, son équivalent romain, ne firent pas la gloire d'Héra, car le surnom Héraclès signifie précisément en grec la gloire des rats. Par contre, ils firent la gloire de l'Alcide qui, raclant par-ci et par-là, nettoya la terre de bien des monstres dont elle était infestée. Mais il en renaît toujours. Poséidon, dieu des mers et des océans, identifié au Neptune des Romains, est l'un des trois maîtres de l'univers. Son frère, Zeus, nous l'avons vu, règne sur le ciel et la terre. Hadès, son autre frère, règne avec son épouse Perséphone sur les enfers, c'est-à-dire le monde d'en bas, le monde souterrain. Et l'entrée des enfers est gardée par le fameux Cerbère, le chien à trois têtes. Poséidon, lui, avec son trident, commande aux flots et fait jaillir des sources. Son palais est au fond de la mer où il vit avec son épouse Amphitrite, mais on lui attribue plus de 80 amantes, immortelles ou mortelles, et même des monstres. À sa résidence principale sous-marine, Poséidon préférait mille fois des résidences plus ensoleillées, toujours en bord de mer. Il était alors entouré de quelques 6 reines, transformées en 3 grâces. Oh, pulpeuse trinité! Il n'en faudra pas plus à Monsieur Trigano pour faire venir les gentils membres dans ces clubs med, au plus que symbolique trident. Dans la lutte mythologique qu'il engagea pour s'assurer la domination sur une ville, Poséidon, divin Poulidor, arriva toujours en seconde position. Premièrement, lorsqu'il voulut régner sur Athènes,
Athéna le devança, car l'olivier qu'elle fit surgir sur l'acropole, celui qu'on monte aux touristes de nos jours n'est pas d'époque, fut jugé de meilleur goût et vive l'huile d'olive, que la source d'eau salée que lui-même Poséidon avait fait sourdre. Et pourtant, cette eau salée des mers allait servir aux Athéniens dans leur lutte contre les Perses d'abord, contre les autres Grecs ensuite. Et de nos jours, si la Grèce est le troisième producteur mondial d'olives, elle a la première flotte marchande du monde. Et vive l'eau salée. Merci, Poséidon. Deuxièmement, lorsqu'il voulut régner sur Argos, nous l'avons vu, il arriva encore trop tard et s'opposa en vain à sa sœur et belle-sœur Héra. De dépit, Poséidon inonda toute l'Argolide. Caprice d'enfant gâté, un rat de marée. Mais Héra le renvoya se coucher dans son lit naturel, la mer. Troisièmement, il en fut de même pour Delphes, qui revint à Apollon, Naxos, qui revint à Dionysos, si bien que Poséidon dut se contenter de l'île de l'Atlantide avant sa disparition. À 60 km au sud d'Athènes, face à la mer, dominant le cap Sunion, se dresse un des plus célèbres temples érigés en l'honneur de Poséidon. Ce temple est surtout connu et photographié au soleil couchant par les pèlerins modernes que sont les touristes. Et pourtant, à midi, il ne manque pas d'allure, comme l'écrit Kazantzaki dans ce passage de sa Lettre aux Gréco. Un jour seulement, à midi, j'ai cru que j'avais trouvé. J'étais allé tout seul au cap Sunion. Un soleil brûlant, c'était déjà l'été. Les pins blessés déversaient leur résine et l'air embaumait. Une cigale est venue se poser sur mon épaule et pendant un long moment, nous avons cheminé ensemble. Mon corps entier sentait le pin. J'étais devenu un pin. Et soudain, comme je sortais de la pinède, j'ai vu les colonnes blanches du temple de Poséidon et entre elles, étincelantes, bleues, sombres, la Sainte Mère. Mes genoux ont fléchi, je suis resté figé sur place. Voilà la beauté, pensais-je. Voilà la victoire, sans elle. Le sommet de la joie. L'homme ne peut pas arriver plus haut. Voilà la Grèce. Ainsi se termine notre voyage en Grèce, sur mer, sur terre et dans le ciel.